Aw dan se bi zanga school jabarani fo kan an bɛna kuma ni aw ye tigɛdigɛna dilancogo kan tigɛdigɛna aw de la ka tɔgɔ mɛn farafinna fan dɔw la u b'a fɔ mafe aw de la k'o fana tɔgɔ mɛn nka yala aw b'a dɔn a bɛ dilan cogo min na wa an bɛna kuma ni aw ye o de kan bi Bonjour, bienvenue à vous sur la chaîne YouTube de Zanga School. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la procédure de préparation de la sauce pâte d'arachide. Dans certaines zones de l'Afrique, on appelle mafé. Aujourd'hui, nous allons aborder cela dans notre vidéo. Bienvenue à tous. Avant qu'on avance, il va falloir connaître certaines choses qui servent à faire cette sauce. Il s'agit de tiguin, qui veut dire arachide, tiguin. Tiguin, d'autres disent tiga, de dégué ou digué, qui veut dire la pâte, dégué ou digué, dégué ou digué, la pâte, tigué digué, pâte d'arachide, donc c'est la pâte d'arachide, comme tigué arachide, dégué, pâte, tigué digué, pâte d'arachide, vous aurez pu aussi dire tigué dégué, pâte d'arachide. Tigé digé nan, sauce pâte d'arachide. Tigé digé nan, sauce pâte d'arachide. Alors nous allons l'utiliser dans une phrase. Tigé digé nan, tobili choko kacha. Tigé digé nan, tobili choko kacha. Tigé digé nan, tobili choko kacha. Il existe plusieurs façons de préparer la sauce pâte d'arachide. Découverte de nouveaux mots, peut-être que c'est des mots déjà acquis pour vous. Il y a sogo, qui veut dire viande. Sogo, sogo, viande. Sogo. On a misisogo, viande de bœuf. Misisogo, viande de bœuf. Si vous voulez, misi, ça veut dire bœuf. Misisogo, viande de bœuf. Si c'est sogo, viande de poulet. Si c'est sogo, viande de poulet. Si c'est sogo. Et on a jigé. Jigé, si vous voulez, vous pouvez dire aussi jigé. Nous allons les utiliser dans notre phrase. Moro chamamba keni sogo le. Ngambe na keni jigé le. Oui. Moro chamamba keni sogo le. Ngambe na keni jigé le. Beaucoup de gens font avec de la viande, mais nous nous ferons avec du poisson. Ensuite, on continue, découverte de nouveaux mots pour vous. Nanfin, condiment. Nanfin. Nanfin. Katge, coupé ou découpé. Djaba, oignon. Poivrou, poivron. Tamati, tomate. Donc, je reprends ces mots. Nanfin. Katge. Djaba. Poivrou, tamati. Je les utilise dans notre phrase maintenant. Ibe nanfe un kofolo kasoro ko tige. Ibe nanfe un kofolo kasoro ko tige. Ibe nanfe un kofolo kasoro ko tige. Donc, il veut dire, tu laves d'abord les condiments. Ensuite, tu les découpes. Tu laves d'abord les condiments. Ensuite, tu les découpes. Et au fur et à mesure, vous voyez qu'on avance en même temps dans la préparation de notre sauce pâte d'arachide. Et vous avez des nouveaux mots qu'il faut découvrir ou qu'il faut redécouvrir. Peut-être que vous les connaissez déjà. Cette fois-ci, les nouveaux mots. Gi. Gi. Donc, gi qui veut dire o. Kadoum. Kadoum. Qui veut dire mettre, faire entrer. Kadoum. Kadoum. Daga. Qui veut dire la marmite. Daga. Donc, utilisons-les dans nos exemples ici. Ibe gi doni don daga kono. Ibe gi doni don daga kono. Ibe djaba ou poivre ou ani tamati ou don. Je reprends. Ibe ji doni don daga kono. Ibe djaba ou poivre ou ani tamati ou don. Tu mets un peu d'eau. Tu mets un peu d'eau.
dans la marmite, tu mets les oignons, poivrons et tomates. On avance. On n'est pas très loin. On y arrivera très bientôt. Cette fois-ci, quels sont les nouveaux mots qu'il faut connaître? Il y a koro, koro, kogo, sel, tasuma, 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 qui veut dire le feu, kamana, kamana. Ouais, rassurez-vous, il y en a qui disent kamene, kamene, kamana ou kamene. Nous allons les utiliser dans nos phrases ici. Ibe koko doni don, ara. Ibe koko doni don, ara. Ibe koko doni don, ara. Sisan, ibe tasuma mana kasoro ka tige dige ni don, ara. Sisan, ibe tasuma mana kasoro ka tige dige ni don, ara. Donc, tu mets un peu de sel. Maintenant, tu allumes le feu et puis tu mets la pâte d'arachide. La pâte d'arachide. On continue. Si cela est fait. Quels sont les autres nouveaux mots qu'il faut connaître? Kato, Kabarabara, Kairan. Donc, Kato, laisser. Kato, Kato, Kabarabara, Kabarabara, Bouillir, Kairan, Kairan, Frire, Frire. Ibato abe barabara, Ibato abe barabara, Ibato abe barabara. Ji nimbe na ban. Sisan ibato abeyiran. Donc tu laisses bouillir, l'eau va finir. Maintenant tu laisses frire. On avance. D'autres mots nouveaux qu'il faut connaître. Il y a toulou qui veut dire huile. Soupompé qui veut dire chou. La pomme de chou. Goyo, aubergine africaine. Toubabou goyo, aubergine. Nous allons les utiliser dans nos exemples. Na irana ka touloubo ibe ji douara. Nayirana katulubo ibeji dwara. Nayirana katulubo ibeji dwara. Si ça frit et l'huile apparaît, tu mets de l'eau. Sisan ibe soupompe goyo ani tubabu goyo tige ka dwara. Sisan ibe soupompe goyo ani tubabu goyo tige ka dwara. Maintenant, tu découpes les choux, les aubergines et tu mets. On y va. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Quel autre mot? Kadamne. Kadamne. Commencer. Kamo. 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 Cuire. Nous allons les utiliser dans nos phrases. Nadamne na kamo. Nadamne na kamo. Tulu bena damne ka sigia sanfe. Na damne na ka mo. Tulu bena damne ka sigia sanfe. Na damne na ka mo. Tulu bena damne ka sigia sanfe. Donc, quand ça commencera à être cuit, de l'huile commencera à apparaître au-dessus. Sisan, ibe se ka djege don ara. Iba to djege nbe mo. Et enfin, on y est. On découvre donc Kaban, Malo, Katobi. Ni djige mona dron abana. Ni djige mona dron abana. Donc dès que le poisson est cuit,
c'est que c'est fini. La préparation est finie. I bɛ se ka malo tobi ka dun n'a ye. I bɛ se ka malo tobi ka dun n'a ye. I bɛ se ka malo tobi ka dun n'a ye. Tu peux préparer maintenant du riz et manger avec. Donc, ka ban malo ka tobi ka ban malo ka tobi. Ni jɛgɛ mɔna dɔrɔn a banna. Ni jɛgɛ mɔna dɔrɔn a banna. I bɛ se ka malo tobi ka dun n'a ye. Vous avez comment préparer la sauce pâte d'arachide à mandinka. Et je suppose que vous avez aussi retenu beaucoup de nouveaux mots que vous allez pouvoir les utiliser dans d'autres expressions. N'hésitez pas, nous vous attendons en commentaire pour tout ce que vous avez appris, tant sur la préparation de la sauce pâte d'arachide que sur les nouveaux mots. Et je serai très ravi de vous retrouver pour une prochaine vidéo pour parler d'autres choses. Et d'ici là, portez-vous bien. N'hésitez pas, likez nos vidéos si elles vous plaisent. Partagez-les. Abonnez-vous au mieux sur notre chaîne pour apprendre la langue mandingue avec nous. Le djula, le malinké, le bambara. Nous saurons être flexibles pour nous adapter à vos programmes afin de mieux vous donner ce que nous connaissons de la langue. À très bientôt. Ame loya, mba jigia kafo, aye danye kura usoro, mandinkana, mba jigia fana kafo, aye tigadige nanto bichogo ye, mba jigia kafo, mina tilaka awusoro jawere kono, kakumane awye kowere kan, wabena ke nisondia kono tukuni, ni anga jaw diera awye, awye ukanu, awye uchari, awye utoko sebe anfe, kamandinka kala anfe, amena siku ke kanyere labe, ka bɛnni aw ka baara ta cogo ye walasa ka se ka aw ladɔnniya fena an bɛ min lɔn kan nin na aw kan bɛn.